Voici le bâton de Montgaudier, une pièce emblématique de la préhistoire de la vallée de la Tardoire. Dans cette petite vidéo, vous allez découvrir pourquoi cet objet est si célèbre. Son histoire nous fait remonter à la deuxième moitié du XIXe siècle. En 1877, Eugène Peignon, journaliste parisien qui a acheté et déménagé à Montgaudier sur la commune de Montbron quelques années plus tôt, décide de fertiliser ses terres dans la vallée en piochant des sédiments dans la grotte toute proche. Et en décembre 1885, ses ouvriers découvrent un objet exceptionnel. Le grand savant parisien du Muséum d'Histoire Naturelle, Albert Gaudry, est aussitôt prévenu par Peignon. Il vient chercher la pièce et il va tranquillement en faire l'étude dans les mois qui suivent. L'annonce officielle est faite devant l'Académie des sciences le 19 juillet 1886. Sa célébrité est faite à tout jamais. Pourquoi un tel succès ? Qu'est-ce qu'il a donc de particulier, ce bâton ? Tout d'abord, il s'agit d'un bois de renne presque entier, de 37 cm de longueur et percé d'un large trou très régulier à une extrémité. Au XIXe siècle, on appelait ces objets « bâtons de commandement », pensant que c'était des objets de prestige et de statut possédés par les chefs de tribu. Maintenant, l'interprétation communément acceptée propose de voir dans ces objets des redresseurs de saguets. Mais rien n'est moins sûr. Ce bâton porte de nombreuses gravures sur tout son pourtour. À l'époque, on connaît déjà beaucoup d'objets préhistoriques gravés sur matière osseuse. Le rendu est parfois de bonne facture, mais le plus souvent maladroit. Les savants du XIXe siècle sont respectueux du travail des artistes préhistoriques, mais globalement, ils ne semblent pas impressionnés. Par contre, quand le bâton de Montgaudier est publié en 1886, il fait aussitôt sensation comme le plus remarquable spécimen artistique de l'âge du renne, réalisé par le meilleur des artistes. Maintenant, quels sont les sujets gravés ? On trouve tout d'abord des traits difficiles à interpréter qui pourraient faire penser à des tiges de plantes et peut-être des insectes. Il y a aussi une tête de bouquetin de face. Mais la présence d'animaux marins a rapidement rendu perplexes les chercheurs. En effet, il y aurait également deux phoques, un saumon, deux serpents ou anguilles et plusieurs baleines. Tout ceci est très rare et tout de même surprenant. En effet, ce bâton pourrait dater d'il y a 14 000 ans et à l'époque, Montgaudier était à peu près 200 km des côtes de l'océan. Donc comment expliquer ces animaux marins sur ce bâton ? Est-ce le même groupe qui bougeait de l'Atlantique à Montgaudier à différents moments de l'année ? Ou c'est l'artiste qui se déplaçait ? Ou bien est-ce le bâton qui a été échangé de groupe en groupe ? Les scientifiques n'ont pas encore la réponse à ces questions. Mais c'est un sujet passionnant. Quoi qu'il en soit, ce bâton suscite toujours autant l'attention. Il est actuellement visible au Musée de l'Homme à Paris.